Vous voici dans la vie, virevoltant d'émotion en émotion, butinant les nectars. Pour pouvoir avoir cette assurance, vous êtes obligé d'être aidé. Vous ne pouvez pas faire du trapèze tout seul. Vous avez dû être formé, et quand bien même, vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Regardez un peu comment ça se passe de virevolter dans la vie. D'abord, il y a un filet pour vous récupérer. Elle est là, la politique. Je peux d'autant plus m'élancer dans des aventures de vie incroyables qu'il y a des gens pour me récupérer si je tombe. Que je sais que quand je prends des risques, je ne joue pas ma vie en tant que telle. Quel filet me soutient ? Mais ça ne suffit pas. Regardez, pour faire vraiment du trapèze, il faut que vous ayez des gens proches de vous, au quotidien, qui vous soutiennent, qui vous connaissent, qui connaissent vos réactions, qui peuvent anticiper. Et quand vous êtes dans le vide, leur main est dans la vôtre. Ceux-là, on peut les appeler des intimes. On en a une dizaine dans la vie. Je ne parle pas des amis Facebook ou Instagram. Hein. Non, mais que ce soit clair. Ceux-là, ils vous touchent. Ceux-là, ils sont là. Ils sont là. Et d'ailleurs, la phrase commune, quand tout va mal, les amis sont là, les vrais amis se reconnaissent parce qu'ils sont là, c'est exactement dans ce sens-là. Mais ça ne suffit pas à faire une identité et ça ne suffit pas à avoir du pouvoir d'agir. Ça ne suffit pas à accomplir son devoir de liberté. Il nous faut le filet en bas. Il nous faut le filet en bas. Et donc, mon identité forme une sorte d'écosystème identitaire, psychologique, politique. Ce filet de réception, les amis proches, mais pas aussi proches que les intimes, on peut les appeler des complices. Et mes complices et mes intimes forment un égosystème, excusez-moi le néologisme, pour comprendre que l'identité, c'est pas moi, je, dans mon home sweet home, coupé du reste de la population, mon identité est mélangée à l'identité des autres, et donc je ne peux avoir du pouvoir d'agir que dans un égosystème, qu'en étant relié avec les autres. Cette importance du lien est fondamentale.